Salut tout le monde, épisode 31 du Gang Show avec Reda Saoui comme invité. On l'a reçu à Montréal il y a deux mois environ, l'épisode sort là. Puis ça donne qu'on est à Paris, il habite pour maintenant à Paris. Pour le Gang Show! Yeah! On le fait demain au fridge, fait que... Lien pour les billets dans les commentaires. On veut des kebs, venez-vous-en! C'est pour ça! Sinon, les kebs au Québec, on fait notre show. À Lévis, Vieux Bureau de Poste, c'est une salle qui est merveilleuse. Il restait que bien, on était à 80% sold out à peu près. Aussi, lien dans les commentaires, sinon... bon épisode! C'est ça, à chaque semaine, on reçoit deux amis pour nous aider à juger les humoristes qui sont sur la scène. Et aujourd'hui, c'est un gars qui fait maintenant carrière en France. J'aimerais ça qu'on l'accueille chaleureusement. Mesdames et messieurs, Reda Saoui! Yo! Reda! Oh yeah! Très cool, j'ai très hâte de juger les gens. Très très ouais. Cool. Voilà, ça c'est parce que maintenant plus... t'habites en France puis que t'as pris l'habitude de juger les gens. Ah, ou... ouais, je pense que c'est ça. T'as-tu un conseil à donner aux jeunes humoristes de ce soir? Ah, juste impressionnez-moi tout simplement. Hein? Non, t'as mais... pas dit l'arrogance française. Non, non, vous voulez juste amusez-vous tout simplement et beaucoup d'amour. T'sais, moi c'est ça l'important, c'est l'amour. Non, mais parlant d'amour, c'est super important pour vrai, pour le bon fonctionnement du show. Votre job en tant que public, c'est d'être le meilleur public, c'est de donner de l'amour aux humoristes. C'est déjà stressant de monter sur scène, il y a des caméras, il y a des juges. Fait qu'on veut pas d'éclairs, on veut personne qui chie le show. Est-ce que vous êtes prêts à ça? À donner une bonne vibe aux humoristes avec le meilleur public ce soir? Et on va commencer ça tout de suite! Tout de suite avec un gars qui brise la glace. Soyez gentil, soyez généreux avec Will Murphy! Salut la gang, ça va bien? Comment tu penses, ça va bien? Ouais, ma mère, elle a le cancer du sein. Tu as demandé ma perte de cheveux, elle vient d'où? Elle vient de là. Dans le fond, ouais, ma mère est correcte maintenant. Elle n'a plus le cancer du sein. Okay? Ma mère, elle a battu le cancer en 9 mois, ce qui est quand même assez fou à cause que c'est moins long que la pandémie. Au début, c'était vraiment weird un peu. On était un peu sous le choc, mais le docteur nous a vraiment rassurés avec le fait que le cancer du sein, c'est un cancer maintenant qu'une femme sur trois va avoir dans leur vie. Ce qui n'a pas l'air super rassurant tout de suite, mais c'est là que tu apprends qu'une femme sur trois veut dire qu'il y a beaucoup plus de cas et maintenant, c'est un des cancers qui est le plus facile à guérir. Ma mère, quand elle est venue chez nous le soir nous dire qu'elle avait le cancer du sein, elle nous a dit ça comme ça devait être pour de vrai, guys. Si moi, j'avais un cancer à choisir, là, j'aurais choisi celui-là. Hey, il y a aussi l'option de ne pas avoir le cancer. Hein, man? En bas de la page, là, quand tu choisis ton cancer, il y a comme « other ». Tu aurais peut-être pu cocher ça, Chris. Non, pour de vrai, ça m'a fait chier quand j'ai su que ma mère, elle avait le cancer. Puis, c'est pas pour la raison que vous pensez. Ça m'a fait chier qu'elle l'ait pas eu plus tôt. Vous vous demandez pourquoi, je comprends. À 16 ans, j'ai fait la voix. Je fais de la musique aussi dans la vie. Puis quand t'arrives à la voix... Quand tu fais la voix, ils te demandent d'avoir une histoire palpitante. Moi, quand je me suis pointé là, j'ai dit « Hey, je me suis fait intimider. » Puis j'étais comme « Calé, c'est pas assez dark, ça. C'est pas assez tough, ça, se faire intimider. » Tout le monde se fait intimider. Normalement, le monde a la voix, les pointe pour des histoires fucking trash, genre « Hey, mon chien, c'est un néo-nazi. On a dû le faire euthanasier dans une chambre à gaz, tu sais, montrer ce que... » Je suis comme « Caliste, intimidation. » Tout le monde se fait intimider dans la vie. Chris, au contraire, tu t'es pas fait intimider au secondaire, t'es un hostie de loser. Non, man, ça m'a fucking fait chier. Quand je l'ai su, puis vrai, même la production de la voix m'a dit, quand ils ont su que c'est l'intimidation, ils ont fait « Hey, si jamais, dans la prochaine année, il y a de quoi d'un peu plus dramatique qui se passe dans ta vie, rappelle-nous, puis viens faire une autre toune. » Big, what the fuck do you mean? Toi, t'es en train de me dire « Attends, wow, wow, wow. » Ça tombe bien, je planifiais gonner ma famille dans 2 semaines, fait que peut-être que je prenais faire sous le vent, hein? Calice!
J'ai la fortune, what the fuck, je sais que t'as un choix à faire. Mais là, quand c'est rendu qu'il faut que j'agisse comme un jeune Américain dans une école secondaire, il y a un hostie de problème. Non, pour de vrai... Allez! C'est réussi! Bravo! Woo! Will, t'as la confiance d'un gars qui a des bonnes jokes sans les bonnes jokes. Non! Ben, t'en avais des bonnes, mais deux, mettons. Mais deux solides. Deux solides? Ouais. Chris, c'est ça? Puis après ça, c'était toi qui se roulais à terre là, de réaction intense. De comme, ben, oh, shit! Mais c'est moi qui essaie de démontrer que je suis athlétique. C'était tout simplement ça. J'étais comme... Mais tu te rends-tu compte que ton plus gros risque, c'est quand tu as dit que t'as fait la voix? Oui! Ouais, je le sais, c'est un... Ouais, ouais. J'ai pas rien à rajouter à ça. Mais à 16 ans, c'était la voix junior ou... Non, c'était la voix... c'était la voix normale, man. C'était la voix d'adulte bien établie. Tu fais quoi comme style de musique? Moi? Ouais. Du stand-up maintenant. Mais ton style de musique. C'est genre de blues rock... Un peu plein d'affaires, là. C'est pas encore décidé. Je suis indécis, des cheveux, pas de cheveux. Je suis comme, je sais plus. Mais moi, je trouve que, sincèrement, l'angle que t'as pris par rapport à ta mère, moi, je trouve ça fort. Bravo. J'espère que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est juste pour les gags. Non, ouais. Mais, on est désolé pour ta mère. Mais moi, je trouve que l'angle... Non, mais c'est vrai, faut... Ah, t'inquiète, c'est chill, là, c'est chill. Mais pour vrai, moi, je trouve que ça, c'est fort. Le gag de la voix, pour vrai, moi, je trouve ça malade. C'était parfait. Après, dès que t'es rentré dans l'intimidation, il manquait quelque chose, man. Il manquait des gags, il manquait des punchs, il manquait... Ouais. L'angle était le fun. Ouais. Ta prestance sur scène est le fun. Chris, t'es sympathique. Ouais. Merci beaucoup. Puis l'angle était plus fun que les jokes. Une couple d'heures d'écriture de plus, ce number-là, puis ça va être un assez beau number. Merci, man. Chris, je le prends dans toi, mon chum. Vraiment? J'étais sûr que t'allais, quand t'as dit que ta mère, justement, a eu le cancer pendant 9 mois, je pensais que t'allais faire un lien avec la naissance, puis être enceinte, puis blablabla. Il y a énormément de jus, justement, pour écrire. Là-dessus? Oui. J'essayais pas de puncher, là. Je te donne du jus. Ouais, non, t'essayais, puis t'as pas réussi. Ça a pas marché. C'est mes genres de jokes, ça. Non, mais il y a vraiment de quoi à faire. Puis moi, j'ai une question. C'est quand tu l'as écrit? Quand t'as commencé à l'écrire? Cette fin de semaine, là. C'est un nouveau number, nouveau. Là. Ça fait combien de temps qu'elle l'a vaincu, le cancer? Le cancer, ça fait 3 ans, là. OK, c'est correct. C'est assez récent pour que je puisse le faire. C'est quoi, je me disais? Genre 5 ans, c'était trop, 1 an, c'était pas ouais, assez? C'est ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça y prend du temps. Non, 3 ans, ça a l'air assimilé puis tout. C'est bon. Non, mais pour vrai, t'as ouvert le show merci, en chef. Man, merci. Bravo, man. Fucking ready, boys. Félicitations. Hey, Will Murphy! Ça commence fort, j'aime ça. Franchement, moi, j'ai aimé. Et on continue ça avec Éric Filliot! Ouais. Il y a du beau trait de cul ici à soir. Mais attention, trait de cul, c'est pas une insulte. Parce que pour moi, un trait de cul, c'est un bon Jack. Un trou de cul, ça, c'est un salaud. Mais pour moi, quand je dis que t'es un trait de cul, t'es un bon gars. Je vais faire un exemple. Toi, t'es un trait de cul, toi, t'es un trait de cul. Mais toi, t'es un bon trait de cul. Tu vois, j'ai mis un adjectif devant mon trait de cul. Fait que ma blonde est française. Ça fait 4 ans que je suis avec. J'ai été en voyage en France pour la première fois. Rencontrer la belle famille pour la première fois après 4 ans. Pas compliqué. Pour casser la glace, j'ai rentré carrément dans le centre où ce qu'il y avait sa famille. Il était à peu près 50. La première fois, j'ai pogné ma blonde, je l'ai pogné. J'ai dit, là, reprenez-la, je suis plus capable de la voir. Là, tout le monde a ri. Yeah, ma blonde est de même. Moi, je suis de même. Fait que, on est dans le souper, tu sais, puis on est à peu près 50 personnes, tu sais, puis je connais personne là-dedans. Maintenant, on parlait d'astrologie, puis il me regarde, puis il dit, toi, Éric, il dit, c'est quoi ton signe? Il dit, moi, c'est poisson. Il dit, parfait. Il dit, Agathe, il dit, c'est quoi ton signe, toi, encore? Il dit, moi, c'est lion. Moi, il est comme un cave. C'est la première fois que je vois. En tout cas, c'est pas la première fois qu'un poisson mange un lion, hein? Hey, ma blonde est de même. Tout le monde paré. Mais là, elle est de même. Je suis de même. Elle me regarde, elle dit, fais plus jamais ça.
Fait que... Puis, je te dis, ils se l'ont approprié, le Canadien, hein? Les oncles, hey, ils me faisaient garocher d'un bord puis de l'autre. Ils voulaient tout le voir, le Canadien, un moment donné. Je regarde ma blonde, genre, au secours, esti. Puis, tu vois les tantes qui arrivent, eux autres. Un moment donné, je regarde ma blonde, puis donc. Fait que ma blonde... Oh, il fait un salut en plus! Ouais. Tu peux reprendre le micro pour la discussion. Ouais. En tout cas, t'avais l'air d'avoir plus de fun que nous autres. j'ai jamais joué au hockey. Je sais pas c'est quoi être dans un vestiaire. Ça a l'air d'être ça. Mais moi, j'ai une question. Qu'est-ce que t'as pris? Non, rien. Non, je suis une bonne. OK, bah, t'es le même naturellement. Oh, ouais. Je suis un gars qui bouge beaucoup. Ouais. Conseil de base, tu parlais avec le micro, pas devant ta bouche. OK. Bon. Ça l'aide d'habitude, là. OK. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton background de vie? Fait combien de spectacles que tu fais? C'est la première fois. Première fois. Pas de texte. C'est vraiment à l'improviste. Puis c'est quoi que tu fais dans la vie? Je suis plâtrier. Plâtrier? Ouais, t'as l'air d'un gars qui tire des joints. Non! Moi, non, j'étais un bouche-trou. Non, 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 non. Faut arrêter là, là. Bon. C'était ton seul gag écrit de la soirée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la scène? Je voulais me lancer, puis je voulais me dire que, gars, quand je meurs, au moins, je vais l'avoir essayé. Je vais pas mourir sans me dire que je l'ai jamais essayé. Super belle philosophie. Bravo, bravo. Bravo. Ouais. Ben là, t'es pas en train de nous dire que tu vas mourir bientôt, là, c'est pas ça? Non. OK. Mais même ton rire après chaque gag est tellement sympathique. Non. C'est malade. Je me trouve d'autres. Ça se voit. Je relis mes notes, puis tout ce qui est marqué, c'est « Fais plus ça ». Je sais pas quoi dire de plus. Bro, ben, honnêtement, je pense que t'es sympathique. Ouais. Ça manque de gag, vraiment, okay. Mais forcément, c'est énervé comment ça manque de gag. C'est bon. Mais il y a quelque chose. T'es le fun à écouter. C'est ça. Moi, j'ai habité à Saint-Eustache, comprends-tu? Et, okay. Hey, bonne. Non, mais okay. J'ai vu plein de monde comme toi et j'aimais les regarder. Du monde comme lui. Mais non, je déconne. Mais honnêtement, il y a quelque chose. Juste travail. Oui, là, c'est critique constructive. Ouais, non, mais moi, ça va être très constructif. Travail. Ah, ouais. That's it. Et puis, il y a quelque chose. Pour vrai, t'as un petit pouvoir comique. On le sait pas encore. On l'a pas encore vu. Mais il y a quelque chose. Je te jure, tu attrapes les gens. Il y a comme... Ouais. C'est juste, t'es un peu éparpillé, mais ben, c'est normal, là, gars. C'est la première fois. Ben oui. Mais... hey! Les grosses balles! Éric Filliau! Éric Filliau! Hey, good job, man. Bravo. On continue ça avec Thomas Lapointe! Thomas Lapointe! Bonsoir tout le monde, ça va? Oui. C'est malade si je joue après Steve-O de Terrebonne. C'est malade. Je me présente, je m'appelle Thomas. Je viens du Nouveau-Brunswick. Yeah! Ouais, puis je viens d'aménager à Montréal, puis on dirait que je commence à remarquer les différences, tu sais. Comme l'autre jour, j'ai rentré dans un building, puis j'ai remarqué qu'au Québec, dans tous les ascenseurs, il n'y a jamais la 13e étage. C'est fou, ça. Puis j'ai checké ce que ça veut dire, puis c'est fait pour enlever toute la malchance. La malchance d'entendre un Québécois dire « 13! » Non, c'est... on dit 13, OK? Non, mais là, je me permets de vous corriger, tu sais, parce que vous me corrigez tout le temps, tu sais, puis c'est à cause d'un accent, tu sais, je suis conscient, puis c'est à cause que ça veut dire que je suis bilingue, tu sais, Puis bilingue, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est bi qui veut dire deux, puis lingue qui veut dire langue. Fait que j'ai deux langues dans la gueule, c'est pour ça que je parle mal. Mais je suis french en tabarnak.
Mais honnêtement, vous me corrigez tout le temps, puis je comprends pas pourquoi vous me corrigez, tu sais, parce que si tu me corriges à la base, ça veut dire que tu m'as compris, tu sais. Admettons, moi, là, je dis si j'aurais. Mais t'as compris que je vais pas à l'université, c'est ça. Tu sais, je suis jamais en train de te faire une présentation orale sur la biochimie, là. Je suis en train de te raconter la fois que j'ai fait du moche au Dagobert, OK? Relax. Non, puis vous me corrigez, puis je comprends pas pourquoi vous me corrigez, parce que les Québécois, vous autres, vous détestez, vous faites corriger, là. Tu sais, vous faites corriger par des Français. Moi, je suis déménagé à Montréal, je reste dans le plateau, je me fais corriger par des Québécois, puis des Français, je suis dans la marde, là. Tu sais, je suis dans le bas de la classe sociale de la langue, là. Tu sais, je suis un paysan de ma propre prononciatoire. Fuck. Tu sais, comme admettons, moi, là, je dis crème soleil. Là, il y a un Québec. C'est vrai! Fuck you! Pour vrai, je dis crème soleil! Puis il y a des Québécois qui sont comme Dantôme, on dit crème solaire. Puis un Français qui arrive, les mecs, on dit lotion UV, putain! Puis là, j'ai encore plus l'air d'un cave parce que j'arrive en pharmacie, puis je suis comme vendez-vous ça de la lotion UV, putain? Ils sont comme non, esti! Sinon, une chose que j'ai remarqué, on dirait qu'avec la technologie, on vit plus les mêmes choses, tu sais, puis les choses changent tellement. Admettons, la définition de tout change. Comme, admettons, le pouce. Le pouce, avant, ça voulait dire « bien joué, good job », tu sais. À cette heure, avec Messenger, tu vois un pouce, ça veut juste dire « parle-moi plus ». Non, Chris, on l'a tout fait, là. Quelqu'un qui te raconte sa journée mal, là, tu es comme « ah, ça a pas bien été aujourd'hui, je viens au Tim Martin, je voulais un Tim Martin bacon, j'ai eu un Tim Martin saucisse. Ta gueule! » Ouais, allez! Merci tout le monde, merci. Allô. Merci. Bel job! Wow! Allô. Thomas Lapointe! C'est ta troisième fois, hein? Troisième. Et yeah. De fois en fois, pour vrai, c'est fais phénoménal. Fais pas trop ça, là, tu vas amener. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je... Non, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est quoi? Fais pas ça. Ah, le français, il aime pas les mouvements. Qu'est-ce qui se passe? Ta gueule. Ça part vite sur Internet et... Ben bravo, pour vrai, t'as pris une coche, c'est le fun, t'expérimentes. Ouais. Avant, je pense que tu jouais plus avec le micro dans tes mains, là, ouais, c'est avec le micro-bâton, avec le pied de micro, je veux dire, ça emmène une belle vibe. Je vais me permettre des commentaires plus poussés, parce que justement, t'es bon, puis t'as pris une coche. Yes, ton écriture est folle, t'as des belles surprises, ton premier gag, tu m'as bien eu. Si tu parles de langage, va pas dans les si j'aurais, ça a été fait beaucoup, ouais. Beaucoup les gags de si j'aurais. Va plus loin que ça, t'es capable. Puis ton fuck sur le prononciatoire, t'es un peu mal joué. Je sais que t'es capable de bien le jouer mieux que ouais. Ça, fait que c'est ça. Mais sinon, pour vrai, bravo. Merci. Je t'allais plus merci. Creux dans... Ah, c'est bon, je prends tout, sérieux. C'est bon. Ben moi, avec ton kit, je pensais que t'allais me vendre une Bible au début. C'est vrai qu'il fait prof de pastoral, hein? Ouais, c'est vrai. Puis je suis content que tu m'aies pas vendu de Bible. Non. Chaque fois que je te vois, tu t'améliores. Honnêtement, j'ai rien à dire de spécial. Ouais. Bel job. C'est juste triste que t'as fait 2 minutes 45 sur le même sujet, puis là... Ouais. T'as pas juste fait 15 secondes sur un autre sujet, puis... C'est ça, mais je voulais pas trop prendre de chance, tu sais, comme c'est un numéro que, justement, je commence à écrire, puis ça, puis je t'ai pas rendu à 3 minutes exactes, fait que j'aimais à finir avec un bon petit bit à la fin. Je dois dire, t'es le... ben bravo, en impro, t'as pas fait un gag sur le fait que je viens vite sur le 2 minutes 45, t'es comme le premier, fait que bravo. Merci. Belle intelligence, là. Tu viens vite, c'est une cave. Loser! Autre chose à dire? Ouais, moi j'ai un petit truc à dire. Honnêtement, tu parles fucking mal. Mais honnêtement, je te jure, c'est la première fois que je te vois, t'es vraiment bon. J'avais peur que t'allais dans... En fait, t'es rentré dans des sujets classiques, mais tu m'as surpris. Comme Anthony, ouais, le gag, si j'aurais, c'est classique. Mm-hmm. Mais vas-y, tu peux aller dans les sujets classiques, mais surprends-nous, continue à nous surprendre, et puis voilà.
Yeah. Donc, bravo, man. Merci. Thomas Lapointe! Bonne soirée. Belle job! Et on continue ça, tout le monde, avec Marquis de Sade! Le Marquis de Sade! Bonsoir. Témoi, mes amis m'ont payé un saut en parachute pour ma fête. 6 heures plus tard, je me retrouve au Maroc. Ces bâtards, ils m'ont renvoyé chez moi. Ouais. J'ai toujours des problèmes. Ouais, j'ai toujours des problèmes de transport à chaque fois. Là, j'ai commandé un Uber pour venir ici. Le gars est venu me chercher en taxi. C'est pas lui qui conduisait le taxi. Non. Il était derrière dans le taxi. Il m'a ouvert la porte. Il m'a dit bonjour, c'est toi, Assad. Monte. C'est moi, ton Uber. Ma voiture est en panne. J'ai pas compris. Je suis monté dans l'Uber. Le mec était super cool. On a eu des débats, des putains de débats. On a parlé de tellement de choses. Il m'a montré des photos de ses enfants, de sa femme nue. Juste ses enfants nus, pas sa femme. D'ailleurs, je sais pas ce qui est le meilleur pour l'écriture, vous me direz après. Je sais pas. Mais comme. Non, mais pour vrai, moi je l'ai remercié pour son partage. Je lui ai dit merci de me montrer tout ça, merci de partager ça avec moi. Mais comme j'ai une question pour toi, pourquoi t'as commandé un taxi alors que t'as un Uber? Pourquoi? Comme, choisis ton camp à un moment, choisis ta team. C'est comme un ministre marocain qui a une association contre la corruption. Ça a pas d'allure. Pour vrai, c'est comme, je sais pas, c'est comme un Libanais qui fait du sport. C'est paradoxal. Non, pour vrai, je suis désolé s'il y a des Libanais. Il y a des Libanais dans la salle? Non? Eh ben tant mieux, parce que je les emmerde, moi, les Libanais. Non, pour vrai. Non, vraiment. Non, mais d'où un Arabe se donne le droit de s'appeler Frédéric? D'où? Ou William? T'sais, moi, je m'appelle Saad. Moi, je suis jaloux, je m'appelle Saad. D'ailleurs, je me suis même pas présenté. Je m'appelle le Marquis de Saad, j'ai 26 ans. Et 26 ans, d'ailleurs, c'est un âge assez particulier quand j'y pense. Tu sais, c'est l'âge où tes parents commencent à te parler de mariage. Ma mère, l'autre jour, qui me dit « Saad, ta cousine Salima, elle est célibataire depuis peu. » Là, il y a mon père qui lui répond « Non, il va non plus épouser sa cousine Salima. Elle a de tout petits seins. On sait tous les deux que Saad est un beau gars. Elle sait pas que je suis un beau gars et elle me connaît tellement mal, ma mère. Elle me connaît tellement mal. 26 ans, c'est aussi l'âge où ta copine te sort le classique. Te dit « Imagine comment nos enfants, ils vont être beaux. » Là, je lui réponds, Salima, mon amour, on est cousins. Ils vont être trisomiques, nos enfants, bébé. Ils vont être trisomiques. Putain, elle connaît tellement mal, ma mère. Non, je rigole. J'ai une copine, mais c'est pas ma cousine. J'ai une copine. Je l'aime de tout mon cœur, mais on a nos différends. En fait, je suis marocain. Elle est végétarienne. Elle aime respecter la loi. Je suis marocain. Exactement. Non, mais je pourrais vous parler toute la soirée de ma copine. En fait, elle est somnambule aussi. Un jour, elle s'est réveillée à côté de la mère de son amie. Moi, j'ai une amie, sa mère, elle me donne vraiment envie d'être somnambule. Pour vrai. Non, mais tu sais, comme... En tout cas... Non, mais pour vrai, moi, ça m'a fait poser la question, c'est quoi le pire truc qu'un somnambule puisse faire? Genre sauter d'une fenêtre, sortir nuit en plein hiver, te réveiller au Tim Hortons de Berry Uqam avec une job. Tu sais, tu te réveilles là-bas, t'as l'univers... Horrible! Tu sais, tu te réveilles là-bas, t'as l'uniforme, puis il y a un doute qui te dit comme... Elles sont mes patates, esti! Merci tout le monde, c'était ça! Bravo. Merci! Wow! Elles sont fucking bonnes! Bravo! Ouais, j'ai comme pas quoi en penser. Comment? J'ai comme pas quoi en penser. C'est pas bon. Que j'ai pas aimé, mais en même temps, j'étais un fan de Freddie Mercury, fait que tu sais, c'est... Je le prends comme un compliment. Ouais, ça d'ailleurs. Écoute, t'as une prestance, le fun. On a vraiment le goût de t'écouter. Il y a des gags très moyens, là, que, très classiques. Telle affaire, c'est comme telle affaire, puis telle affaire. Ouais. Là. C'est quoi ton background? Écoute, j'ai fait beaucoup de ventes. Puis. Ouais, mais t'es marocain. T'es né vendeur. Je suis un vendeur marocain, exactement. Puis j'ai quitté ma job là, pour faire du stand-up. Ça fait 6 mois. Ah, t'es un patron un peu, là. Comment ça? Mais combien de shows t'as dans le corps? Combien de shows? Pff, plus qu'une quinzaine, je sais pas, j'ai arrêté de Puis compter. Après 15 shows, t'as devait être « je lâche ma job »? Écoute, ouais. Ah, shit. Man, il est cool! Il est fucking cool, là! Écoute, j'ai même mon propre comedy show qui s'appelle le BPM Comedy Mais Show, qui, ça marche super bien. Ouais, bravo, ouais. Bravo. Au vrai, ouais. Puis vous êtes rendu à la quoi, 22e édition? On est rendu à la 3e édition, on a toujours été sold out, on a fait un théâtre Sainte-Catherine, wow. Sold out, jockey, sold out, des gens assis par terre. C'était vraiment bon. Très bravo, cool, ouais. Félicitations pour ton esprit. Merci beaucoup. Merci. Tu veux y aller? C'est-tu une clope que t'as?
Ouais. Je l'ai oublié. Tu l'as oublié. Mais ça fait très toi, là, de ce que j'ai compris en trois minutes, t'as l'air très... Bah, ça va être ça. Sans putain de compliment. Qu'est-ce que t'as? T'as des gougounes? Ouais. Ouais. C'est quoi la job que t'as lâché? Écoute, j'étais account exécutif dans une grosse multinationale. Bullshit! Okay. Ouais, non, c'est vrai. OK, fait que tu peux lâcher là, après seulement 15 shows. En fait, j'ai beaucoup de chance parce que je touche le chômage. Donc. Merci le Québec! Merci c'est Québec. Vos taxes qui payent ça! Non, pour vrai, c'est pas sympathique, je t'avais jamais vu sur scène. T'es vraiment bon. Je dirais, tu parles des fois un peu trop vite. Ouais. Fait qu'on perd certains gags ou certains. 3 minutes pour ça. Oui, mais en même temps, bravo, t'étais prêt. T'étais vraiment préparé. C'était le premier, je pense, depuis qu'on le fait, qui a fait hey, merci, c'est tout pour moi, puis qui fitait dans le temps. Génial, putain, merci. Merci. C'est peut-être qu'il y avait juste 3 minutes aussi. Non, je l'ai chronométré, j'ai passé toute la journée à répéter. Je l'ai chronométré à 3 minutes et j'étais à 3 minutes et j'étais content. Bon, maintenant que les Blancs ont fini de parler. Quel incroyable, ça va, les mecs, incroyable. Les mecs, salut. Croyant. Oh, quel rac. Je trouve que t'as un style incroyable, t'as quelque chose de cool à exploiter. Merci. Vraiment à exploiter, c'est encore vert. Et y a des gags que je les comprends, que t'as fait sur les Libanais. Je faisais ça au début et ça n'a pas marché. Donc Mais je te le jure, continue dans cette vibe-là. T'as quelque chose de vraiment cool et original que j'ai jamais vu. Merci juste continue à bosser et puis écoute pas les Blancs, tout simplement. J'ai la chair de poule, merci beaucoup. Merci. Bravo! Je sais pas qui a mon âge dans la salle, mais il ressemblait aussi au bassiste de No Doubt. C'est vrai! C'est vrai! C'est fucking vrai! Vieux référent, je suis désolé. Et on continue ça avec Ash The One! Allez. Yeah. Premièrement, parkour... Attends. Deuxième chose, guys, je vois que l'inflation monte. C'est combien? 6%? Moi, c'est 3%. Fait que fuck you aussi. OK? J'avais plein d'amis qui pouvaient jouer au basket, plus facile sur Tinder. Moi, c'est 3%. Fait que fuck you, Marc. OK? Deuxièmement, guys, j'ai appris que je suis cute. Fuck you. Je suis très cute. OK? J'ai appris que je suis cute. Le truc est, je suis pas assez cute pour recevoir des nudes. Je suis juste assez cute pour me faire harceler sur l'Internet. OK? On va l'appeler Marc, pas Johan. On va l'appeler Marc. Marc est comme Asher. Tu vas réussir. Asher, crois en tes rêves. Et là, Marc m'envoie une photo d'un inconnu à Paris. Marc, tous les nains se connaissent pas. Fuck you. Fucking Marc, je vous jure, guys. Je vous jure, guys. Et là, Marc me demande une autre question stupide. Il me dit, Asher, est-ce que t'as un char? Asher, est-ce que t'as un permis de conduire? Oui, j'ai un char. Il est juste au Toys R Us. OK? Il s'est fait remorquer, j'ai oublié de faire mon dernier paiement, guys. Les trucs sont chers, l'inflation, guys. Guys, à cause de mon physique, il y a beaucoup de monde qui pense que je suis attardé ou trisomique. C'est juste des losers. Le truc, c'est, je suis pas attardé, je suis juste très, très, très con, OK? C'est juste ça la différence, guys. J'ai commencé à m'entraîner physiquement. Tu sais, on me dit, Ash, pourquoi tu t'entraînes? C'était parce que tu vas faire des projets aux States, c'est pour avoir l'air beef, en santé. Non, non, aucun de ça. Je m'entraîne. Écoute-moi bien, mon esti. Je m'entraîne. Écoute, attends. Je m'entraîne juste
pour ouvrir la porte d'un fucking Jeep. Tabarnak, bro! C'est fucking lourd, bro! Fuck! Gars, j'avais un prof d'anglais, il s'appelait Peter, et Peter, il est comme Asher, arrête de bitcher que t'es un nain, arrête de chialer que t'es un nain, t'es pas un nain gros. Je me sens mieux, gars, je me sens mieux. Car j'ai réalisé que dans les nouveaux films de Scream, ou la traduction en français, je m'en connaisse. Dans les nouveaux films de Scream, ça va être les nains gros qui meurent, puis les nains, puis les noirs. Tu sais, au moins... Merci. C'est fini! Bravo. J'ai peur que tu me dises « fuck you ». Sérieux? Mais pour être ton set, c'était juste... Fuck eu... you. Oui. De rien. T'as eu le gag de Jeep qui a fonctionné, sinon c'était juste t'envoyer chier le public. Et c'était très drôle, c'est drôle. mais les gags marchaient pas, à part les insultes au public. Mais c'est drôle. Mais pour être... c'est la deuxième ou troisième fois que tu viens au gang show? Troisième fois, ouais. Troisième. Puis, je pense... Fuck you, t'as oublié, fuck you. C'est la fois que t'étais le plus solide dans les trois fois. Ouais, vraiment. T'étais moins éparpillé, je sais pas si c'est le fait que t'étais assis, que t'étais plus groundé, mais... J'ai appris ça durant la pause, là. Fait que j'ai comme... La COVID, c'est-tu? T'as appris ça pendant... J'ai appris à quand je m'assois, okay. Durant mes sets, je suis naturellement plus calme. Ok, cool. vas-y, continue. Avec qui t'écris? Il te manque des skills au niveau de l'écriture. Parce que ta présence, c'est le fun. Puis moi, j'étais les plus petits de ma classe sur mon secondaire, puis j'arrivais ça à avoir ton attitude. Le Jeep, bon, c'est juste mon vécu à moi, genre. Genre, je suis allé dans le Jeep d'un ami, je suis comme tabarnak, je suis comme, un gag. Fait. OK, mais tu sais que tu peux t'asseoir pour en écrire d'autres, là. On le fait asseoir et tu me donnes un spot. OK. Parfait. Comment il t'a remis à ta place? Il m'a remis à ma place. C'est, moi je te connaissais au début. Et puis, migraine, si on pouvait le personnifier, c'était toi à l'époque. De rien, d'accord? De rien, guys. Mais honnêtement, mon gars, il y a beaucoup de fuck you. Beaucoup trop de fuck you. J'aime ça, moi. Ouais, non, moi, je trouve ça malade parce qu'il va... Il affronte le public et c'est cool. Mais ouais, moi, je trouve ton gag sur le van, c'est ça, c'est le van? Le là, Jeep, ouais? Le Jeep. Porte, la porte de Jeep. Pardon, j'ai pas de voiture. Et, un français, guys, un français. Mais ce gag, il est vraiment fou, vraiment, c'est bravo. Ouais, non, franchement, c'est la première fois que je te voyais vraiment où tu livrais ton texte parfaitement sans insulter les gens. Et ou ça, presque. C'était... Ou presque, ouais. Donc, bravo. Ouais. Je tiens à dire que dans tout le set, c'est pas ta condition qui m'a marqué le plus, c'est « Twiz R Us ». Twiz R Us? Twiz R Us. Comment? Mon crise de français. Les Québécois, guys, comprenez l'anglais, guys, c'est pas difficile. Twiz R Us. Chris! Toys R Us. Ah, il fait peur. Fait peur. Moi, j'ai peur. Tu sais que c'est Toys R Us? Toys R Us. C'est parfait. J'adore ça. Ben, c'est Toys. C'est Toys. C'est un vrai Twiz. C'est ça. Non, seule chose, je m'attendais à quand t'as dit t'es pas attardé, t'es con. Je m'attendais à des exemples de pourquoi t'es con. T'as juste lancé l'information. Je pense que c'était beaucoup ça pendant le set. Il y a beaucoup de prémices sans joke. T'envoies des bonnes informations. Ouais. Parce qu'on est comme, ah, si on en prendrait, tu y vas pas. Tu fais juste... Fait que pousse plus loin ces moments-là. Effectivement. Puis mets plus d'images. Plus d'images, ça va être gagnant avec toi. Puis juste ton énergie. Moi je trouve que c'est pas parce que t'es petit que ça va être drôle. Moi, pour vrai, ce que je trouve drôle chez toi, c'est ton attitude. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant et que tu continues de mettre en avant. Et mets plus d'images. Tout simplement. Merci. H the one, mesdames et messieurs! Yeah, bravo!
continue ça avec Jean-Philippe Ringuet. Bravo, mon gars. Jean-Philippe Ringuet. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici. Quand j'ai dit que j'allais faire le gang show, on m'a donné vraiment des super bons conseils. On m'a dit, fais attention à ce que tu vas dire. C'est une captation, c'est transmis live. Moi, j'ai décidé de vous parler de ma vasectomie. Pouvez-vous déjà vous douter, ça n'a pas super bien été, mais avec le recul, je pense quand même que c'était la bonne décision. La famille était faite, ma femme voulait vraiment pas tomber enceinte, puis j'étais juste tanné de faire de l'anal. Moi, je fast forward tout de suite au cinquième jour. Les trois premiers sont faciles. Le cinquième, j'étais assis dans mon sofa. Tout d'un coup, j'ai des sueurs froides. J'ai chaud. Ça sent l'infection. Je regarde. La gauche, je la reconnais. Elle est familière. La droite, pas tant. Ça commence à faire mal, mais je me dis, je suis un homme, je vais le toffer. Fait qu'une heure plus tard, j'étais à l'urgence. L'infirmière, elle ferme le rideau. Elle regarde ça. Elle dit, c'est un abcès, ça. Ta couille se remplit de pus. Mais on veut avoir une idée. Fait que prends des photos à chaque heure, puis viens me remontrer ça. Au bout de 4 heures, je retourne la voir, c'est pas la même. Je monte les photos, je tombe priorité 2. J'ai eu le temps de lire les descriptions. Priorité 2, j'étais à 2 doigts de la castration. Puis en plus, mon sel se rend compte qu'il y a une certaine thématique. Il commence à me demander, « Veux-tu faire un album? Veux-tu le partager sur les réseaux sociaux? Veux-tu en faire un gif amusant? » Fait que je suis dans la salle d'attente, puis je dis je suis dans la salle d'attente, mais au demi-heure, je suis rendu dans la salle de bain, parce que je me dis, je veux me nettoyer, parce que déjà que je suis pas mon meilleur, puis du bat, c'est non. Fait que je me ramasse un pied sur le lavabo, avec le savon à main, à essayer de me laver, puis c'est à ce moment-là qu'il m'appelle. Fait que là, tant bien que mal, j'essaie de rentrer Gisèle dans mes shorts. Parce que rendu à ce grosseur-là, elle mérite un nom. Puis je commence à m'attacher. Fait que le médecin arrive, j'y raconte l'histoire, j'y montre mon gif. Je baisse mes pantalons. Puis je le vois qu'elle reconnaît l'odeur du savon à main. Puis elle me regarde avec un mélange de pitié puis de dégoût. Tu sais, vraiment l'idéal quand une femme regarde tes organes génitaux, là. Allez. C'est réussi! Ouais. Jean-Philippe Ringuet! Yo! Man, t'as dépassé mes attentes des messages que tu m'as envoyés pour participer au gang show. Ça pouvait pas être pire. Ah, si je m'attendais à un bon colon, là, mais... Mais j'étais apporté, en fait, j'ai 4 fiches. Non, pour vrai, c'est un running gag en humour que les assis numéros, c'est vasectomie. C'est le premier bon que j'entends, pour vrai, qui me fait rire. T'es allé ailleurs, t'as des gags, c'est pas juste l'anecdote, t'es allé plus loin. On le sent que c'est personnel, c'est pas juste comme hey, « c'est pas le fun, vivre ça! » Ouais, je l'ai vécu. Ouais, on le sent. Ouais. Mais pour vrai, ouais, tu m'as vraiment impressionné. C'est-tu ta première fois sur scène? Oui. Fuck. Ben fuck. Non! Ben non! Oh. Ben non! Man! Bravo. Bravo, man, j'ai rien à dire. C'est pas qu'il n'a rien à dire. Crois pas. Je te crois pas. Ben, excuse-moi. Il y avait meilleur. Des gags tellement précis, tellement forts, le comeback du GIF à fin. S'il y en avait un troisième callback, mais.
Y a-tu un... Y a-tu... Charles, si tu veux l'entendre, invite-moi à un open mic. Ouais, ouais. Ben oui! Ouais, ouais. Ouais, ouais. Merci. Fuck. Mais pour vrai, surtout pour quelqu'un qui c'est son premier show, habituellement, quelqu'un qui fait de l'anecdote en premier show, il y a pas de gag, c'est juste, il dit « Ah, l'histoire est drôle ». Non, non, t'avais du gag, il y a de l'écriture, c'est chapeau, man, j'ai rien à dire de Mais plus. T'es jamais monté sur scène? Non. Jamais? OK, écoute, t'es monté... Là, ça paraît avec la prestance avec laquelle tu nous parles, mais durant le numéro, il croit pas, c'est bon. Ben, en même temps, la voix était shaky les 30 premières secondes. Mais c'est ça, je me demandais, j'étais comme... C'est ça que je me disais. Moi, je trouvais... Sa voix était shaky au début et je trouvais que ça avait un charme sur son numéro. Mm-hmm. Je trouvais que ça fitait bien avec toi. Ouais, genre du daddy feel. Là. Ouais, 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 je trouvais... Non, il y avait... Les filles, vous êtes d'accord? Il y a un petit côté daddy... Oh, OK, c'est correct. Non. C'est quoi ta job dans la vie? Je suis fonctionnaire fédéral. Ça paraît en est. T'es au courant que c'est sur YouTube, là? Mais la plupart des gens ne regardent pas YouTube. Ceux que je sers, parce que j'étais à la sécurité de la vieillesse. Fait qu'ils connaissent pas. Tes enfants ont quel âge? J'ai un fils de 19 mois maintenant. Shit. Félicitations. Oh, oh, oh. Et lui, il va le voir un jour sur YouTube. Oui? Ouais. Mais honnêtement, ouais, c'est ça, réinvite-le encore et encore à l'open mic parce que pour vrai, il y a quelque chose à exploiter à fond. Puis il faut que tu joues le plus possible. Avec le ton que tu dis quand tu dis exploiter, on dirait que tu veux faire de l'argent sur leur dos. C'est... il y a ben quoi ouais, mon gars, ben ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Tu trouves des perles et bim, t'investis. 15%. 15%. Bravo, 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 bravo. J'ai rien à dire. Jean-Philippe Ringuet! Bravo! Bravo. C'est la fin de la première partie. Reda, comment t'as trouvé ton expérience? Incroyable, pour vrai. Est-ce que c'est la première fois où on a pas gagné, on a gagné peu de monde? On a gagné... Une personne? On a gagné une personne sur 6. Ouais! On va se rattraper ces autres! Mais ils étaient fucking bons, donc non, honnêtement, j'ai trouvé ça malade. Je voulais vraiment juger les gens, j'ai préparé des insultes. J'ai vraiment préparé des insultes toute genre la journée. Quoi? Genre, ah ouais, man, mes parents ont immigré, et là, tu m'as... Tu vois, ben, j'ai vraiment raté ma blague. Reda Saoui! Merci beaucoup, merci beaucoup. Yep, c'est la fin de l'épisode. On se la joue swaglicious. Je sais pas si c'est un mot. Merci d'avoir été là. Yep. On a de la merch.